Chers amis, bonjour ou bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir très nombreux ici, ce qui prouve à l'évidence qu'il y a bien à Besançon une place et qu'est-ce place pour un hommage rendu à Victor Hugo. Puis vous savez que demain, c'est le 210e anniversaire de la naissance de Victor Hugo à Besançon, et cette année est l'année du 150e anniversaire de la publication des Misérables. Tu vois Tanguy, tu te courbas. Vous ne me facilitez pas la tâche, chère Léopoldine H. Votre apparition enchante l'auditoire et vous fuyez aussitôt, comme Galatée sous les saules, laissant à tous des regrets, compliqué pour moi de l'embarras d'avoir à vous succéder et de retarder en même temps la prise de parole de Robert Badinter que tout le monde attend. En ce qui concerne le cœur même de l'exposé d'aujourd'hui, je passe aux aveux, je suis un hugolâtre. J'aime Hugo. Voilà, c'est simple, clair et définitif. Il refuse les peines perpétuelles. Parce que, dit-il, magnifique, il est un droit qu'aucune loi ne peut entamer, qu'aucune sentence ne peut retrancher, c'est le droit de devenir meilleur. Hugo termine son discours par ces mots: je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Pure, simple et définitive. Et ces trois objectifs m'habitaient tellement que tout au long du débat, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, à cause des trois adjectifs purs, simples et définitifs, et par aussi parce que je ne voulais pas polluer cet instant, j'ai refusé tous les amendements, y compris ceux que demandaient d'accepter des amis politiques, qui tendaient à créer un système de peine de substitution pour remplacer, entre guillemets, la peine de mort. J'ai dit jamais. Nous sommes à un instant décisif de l'histoire de notre justice. Jamais je n'accepterai cela. L'abolition pure, simple et définitive. Et je dis merci Victor Hugo.